Alors, elle est née à peu près fin 2015-2016. Alors, c'est vraiment un drôle de concours de circonstances parce que moi, je voulais justement faire une BD sur spatiale. J'étais en train de commencer à me documenter, à aller voir des gens du CNES ou de l'Agence spatiale européenne. Et là, il y a un attaché de presse qui me dit « Mais tu aurais pu répondre aux commentaires de Thomas Pesquet qui l'a mis sur ton blog. » Et j'avais, je crois, 8 mois de retard dans mes commentaires. Et en effet, Thomas avait commenté une BD que j'avais mis en ligne sur les astronautes. Et il s'en prenait plein la tête, les astronautes. C'est-à-dire, c'était assez irrévérencieux. Et lui, il disait « Ah, c'est marrant, etc. » Et donc, je me suis dit « Il faut que je le rencontre. Je cherchais des pistes. » Mais au départ, je ne cherchais pas à faire quelque chose sur les astronautes. Je voulais rencontrer le maximum de personnes pour me mettre à jour, pour chercher. C'est une étape de travail. Et donc, j'ai pu le rencontrer alors qu'il était de passage à Paris fin 2015. Donc, on a discuté. Il connaissait mon travail. Et j'ai d'abord fait un premier déplacement à Cologne, où il y a le centre d'entraînement des astronautes européens. Et là, sur place, moi, c'était assez abstrait. J'avais une vision très étoffe des héros du truc, c'est tout. Donc, c'est des gens qui ont une vie dangereuse à 100 à l'heure. Et là, sur place, dès la première heure, je me suis dit, mais c'est hallucinant. C'est pas du tout rien que les lieux, c'est pas ce qu'on s'imagine. C'est pas du tout. Moi, je prenais 12 000 infos par heure. Et là, je me suis dit, il faut faire un truc, mais je n'osais pas trop demander parce que je me disais, mais il prépare une mission spatiale, il n'aura jamais le temps de répondre à mes questions. Ça clignote, super sujet, mais comment il va faire? Il n'aura jamais le temps, etc. Et en fait, on en a discuté et lui, il était assez partant. Il me dit, non, mais tu m'envoies des mails, tu essayes. Tu me demandes et je réponds. Et en plus, je lui avais demandé si je te mets toi, ta tête, ta famille, etc. Il fait ouais, tout. Alors, avec le deal, je lui faisais relire parce que voilà, c'était quand même ma première personne. Et ce qui est drôle, c'est qu'après, il m'a envoyé un mail en disant « Bon, en fait, t'as pas vu grand-chose hein, à Cologne. Pour faire ça bien, il faudrait que tu ailles aux États-Unis et à Moscou et à Baïkonour. » Je vais en parler à mon éditrice. Et en fait, ça c'était super parce que vraiment, il a vraiment donné de sa personne. C'est-à-dire, il répondait vraiment aux mails, il répondait aux questions. Il a relu. En effet, on a réussi à se voir à Paris pour relire des brouillons. Donc, il s'est vraiment investi et il m'a laissé assez libre. C'est-à-dire qu'il y a des choses, je me disais, est-ce que je peux le représenter en train de faire ça? Chez ses parents, je ne sais même pas s'il monte sur la table, tant pis, j'y vais. Et donc, ça le faisait marrer. Enfin, il disait, non, mais tu peux y aller et tout. Donc, c'était hallucinant, en fait. Moi, j'avais un respect pour lui. Et donc, j'ai été assez libre. Et je crois qu'il voulait montrer que, ce qu'il ne peut peut-être pas beaucoup montrer dans les vidéos officielles, qu'il a assez d'humour, qu'il a de l'humour sur lui aussi, qu'entre eux, entre astronautes, ils sont sérieux, mais entre eux, ils savent aussi se charrier, ils savent, même s'il y a de la compétition entre eux, ils savent qu'ils sont bons parce qu'ils sont sélectionnés parmi les meilleurs, mais que c'est quand même, ça ne vient pas de nulle part, enfin c'est beaucoup de sacrifices, qu'ils en bavent un peu, c'est des cobayes, au niveau de la famille, ce n'est pas évident non plus. Donc, il était assez partant pour montrer ces aspects-là qu'on oublie un peu dans l'aspect glorieux du héros qui fait des choses incroyables. C'est qu'il y a des choses concrètes du jour au lendemain, vous changez de métier, vous partez, vous habitez à Paris, vous allez vivre en Allemagne, vous allez passer votre temps dans des avions entre Cologne, de la Russie, etc. Vous devez annoncer à votre famille que vous allez monter sur une fusée qui va parler. Donc tout ça, c'était l'idée, c'est de montrer tous ces aspects-là qu'on balaye très vite et que derrière le côté héroïque de la chose. C'est un gros travail de tri, en fait. Parce que j'essaie de faire confiance à la décantation. En fait, j'essaie de lire énormément de choses, de rencontrer beaucoup de gens qui me disent beaucoup de choses. Je prends des notes. Et je vois ce qui reste, en fait. Par exemple,
La combi de Thomas Pesquet, j'en ai beaucoup parlé autour de moi pour voir quelles étaient les infos que je donnais en priorité et aussi les gens, ce qu'ils me répondaient. Par exemple, quand moi je disais oh, bah, il va partir dans la station spatiale, et les gens me disaient mais c'est plus Mir, par exemple. C'est plus... Certains étaient restés à Mir, certains me disaient mais attends, elle est où la station? Elle est près de la Lune. Je, ah, non. Alors, je me disais merde, il faut que je réexplique ça. Il y en a qui me disaient, mais il va partir, pourquoi il part de Russie, il ne part pas en navette? Et je fais, ah non, il faut que j'explique la navette aussi. Donc j'en parlais beaucoup pour voir quels étaient les retours, parce que des fois, on se documente tellement, ça faisait des mois que je me documentais, que je savais plus que ce que le grand public, entre guillemets, où il en était en fait. Et donc je fais ça et j'essaye aussi de voir oui ce qui reste en fait, parce que les trucs on fait le cerveau fait naturellement le tri, ça, si c'est trop complexe j'évacue, ou alors il y a vraiment des trucs sur lesquels je voulais parler en fait, qui je me revois des fois j'étais assise à un bureau avec Thomas Pesquet à côté qui me fait des graphiques, et là je me suis dit bon, tout ce qu'il me raconte, moi je trouve ça génial, mais il ne faut pas que je me dessine à un bureau en train de, et lui avec des bulles de 40 km en train de me dire il faut que je remette tout ça en scène, et c'est vraiment passionnant. Le problème c'était tout est intéressant tout est hallucinant, en plus il raconte plein d'anecdotes, il y a plein d'anecdotes que j'ai pas pu mettre parce que en fait je me suis dit qu'est-ce que ça dit cette anecdote, je peux pas la dire, j'ai pas le temps, en plus elle serait décalée dans le récit, donc qu'est-ce que cette anecdote dit d'eux. Et donc j'essayais de le remanier pour que ça apparaisse dans des cases. En fait, par exemple, l'esprit de compétition, ça ressort par des anecdotes, mais ça m'aurait pris 4 pages de le raconter, ça aurait été hors propos. Donc l'idée, c'était de dire comment je montre cette compétition entre eux par des petits de l'action, en fait. Et donc tout ça, ça a été une grosse digestion longue. C'est plutôt le tri des informations, les ranger les plus perspicaces, et que ce soit fluide aussi, que ce ne soit pas qu'une voix off qui explique, qu'on les voit vivre aussi. En fait, c'était répondre à cette curiosité, quoi. Moi, mon obsession, c'était que le lecteur, il en prenne autant plein que moi, en fait, d'être généreuse en information, de charger la mule, quoi. Je voulais vraiment qu'on y aille, et je voulais que ce soit dense, que vraiment ça réponde à plein de questions, que le plaisir que moi j'ai eu à assister à des... Enfin, moi je me suis dit, j'ai quand même une chance incroyable, j'ai pu aller à Houston, à la NASA, je me suis mis un peu à la pression en me disant, ah, t'es là, va falloir que tu te décarcasses en dessin, il va falloir que tu... T'as de la chance, quoi. Il faut que tu donnes à vivre ça au maximum. Donc c'était être vraiment généreuse, être à la hauteur aussi, parce que j'avais quand même la confiance de Thomas. Donc je me suis dit, quand il a commencé à devenir célèbre, je me suis dit, oh la vache, il va falloir déconner, quoi. C'est-à-dire, ça ne va pas passer inaperçu, puisqu'il devient hyper... j'ai vu le truc monter, donc j'ai eu un peu les boules. Je me suis dit, si je me plante, ça va se voir. Donc c'était faire quelque chose de bien et de généreux et qui répondent à beaucoup de questions, qu'après, au-delà, c'est vraiment des petits détails qu'on en ressorte vraiment en ayant appris beaucoup. Et que l'idée que j'avais eue, moi, l'impression que j'avais eue, c'est que ils en bavent. Je voulais que ça ressorte, quoi. C'est dur, enfin. Beaucoup d'entraîneurs me disaient, c'est vraiment dur, ce qu'on... Non, c'est pas juste parce qu'ils sont forts, c'est facile, non, c'est balèze, quoi. Thank you.